Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de jouer à l'espion en pyjama. Un de mes jeux préférés, parce que j'ai joué en tant que joueuse et j'étais vraiment mauvaise parce que je suis pas capable de mentir, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que je mange un petit sourire en coin, puis je ris un peu, je fais des blagues parce que je suis pas trop à l'aise de mentir. Fait que là, j'étais pas tellement bonne. Fait que je me suis dit pourquoi pas devenir l'animatrice du jeu, parce que j'aimais beaucoup le jeu, mais pas en tant que menteuse. Alors le jeu s'appelle l'espion en pyjama. Parce qu'on le fait en fin de soirée. Habituellement, on faisait un peu plus tard. C'est pour ça que c'était en pyjama. On a gardé le titre parce que ça sonne bien, l'espion en pyjama. Mais dans le fond, le jeu est vraiment cool parce qu'il faut être un bon menteur. Il faut essayer de se faufiler. Puis les autres doivent aussi être bons pour essayer de remarquer qui ment. Et c'est cool aussi parce que nos joueuses aujourd'hui, c'est quatre filles qui se connaissent. Alors, ça va être le fun parce qu'ils vont pouvoir peut-être remarquer un peu. Tu sais, ils se connaissent entre eux. Ils vont savoir si telle personne t'a rien de mentir parce qu'ils se connaissent assez bien. Fait que ça va être cool. Fait qu'on va aller voir les joueuses. Après ça, je vais vous expliquer le jeu. Alors, bonjour à nos quatre joueuses. Vous allez bien? Et vous? Oui, Oui, ça vous! Je me fais vouvoyer! va. Oh my god! C'est pas si bien que ça. Tu peux me tutoyer, tu peux me dire Rio. On est rendu là, tu peux dire Rio. Starless. C'est ça, là. Starless. T'as pas besoin de me vouvoyer, mais merci. Ah, là, je me prends. Je suis rendue une vieille madame, j'adore ça. Fait qu'on a. Vos noms sont tous là en plus, fait que les gens vont pouvoir voir vos noms, mais les quatre, vous venez de Béatrice Deloge, c'est pas mal cool. Alors, on a Jeanne, Marie, Maya et Léonore. Fait que bonjour à vous quatre. Vous êtes toutes des élèves de 10e année qui est aussi cool. Fait qu'on va tout parler avec vous. On va apprendre à vous connaître entre les catégories. Je vais peut-être vous poser des questions, puis essayer de vous connaître un peu plus. Mais merci d'avoir accepté de jouer. Est-ce que vous êtes des bonnes menteuses dans la vie? Ou est-ce que Oui. d'habitude, ça paraît? Oui? En fait, donc c'est comme si on m'a tout le temps. Elle a C'est ça. raison, oui, Oui, je je suis une bonne menteuse. te tout Parce que je suis en Parfait. Mais train là, de j'espère que vous allez mentir. sortir vos skills. Peut-être qu'il est en train de mentir. J'espère que vous allez sortir vos skills de tell. Peut-être que je suis une menteuse super horrible. Peut-être que je suis en train de dire la vérité. Oh, OK, on va tout découvrir ça tantôt. On va voir si t'es une vraie bonne menteuse ou Oh. non. Alors, vous allez voir à la maison. En plus, à la maison, c'est le fun comme jeu parce que vous allez savoir les réponses. Vous allez savoir vraiment qui est en train de mentir. Vous allez essayer de deviner qui est en train de mentir. Alors, dans le chat, moi, je vois le chat. Alors, je peux vous parler, je peux répondre à vos questions. Ça fait des questions pour les joueuses. Si vous voulez dire que telle personne est en train de mentir, vous voulez essayer de trouver vous aussi, bien, vous pouvez nous le dire dans le chat parce qu'on va prendre en compte aussi vos votes. Alors, je vais faire apparaître toute l'explication du jeu et vous faire un beau petit voice-over par-dessus. Alors, est-ce que les gens à la maison voient les explications du jeu en ce moment? François. OK, alors on va montrer les explications du jeu. On y va. Alors, les joueurs connaissent le thème et la réponse, à l'exception en pyjama. Alors, il y a une personne qui ne sait pas du tout. Les joueurs donnent leur indice pour prouver qu'ils connaissent la réponse sans la dévoiler à l'espion. Alors, si leur indice est trop bon, ils vont dévoiler. Alors, il ne faut pas avoir un bon indice. Mais il faut un bon indice, mais pas trop, trop précis. Ensuite de ça, l'espion tente de donner un indice sensé pour ne pas se faire démasquer. Alors, ça aussi, c'est important si t'es l'espion. Et aussi, les joueurs doivent deviner qui est l'espion pour gagner des points. Finalement, l'espion peut aussi faire des points s'il devine la réponse grâce aux indices des autres joueurs. Alors, moi, tout le long du jeu, je m'occupe d'écrire les points et tout ça pour tout calculer ça. Fait que c'est ça. Si vous trouvez l'espion, vous avez des points. Si vous êtes un espion puis vous vous faites prendre, vous perdez un point. Mais si vous réussissez à vous faufiler puis à trouver la réponse, ben vous gagnez un point. C'est vraiment cool comme jeu, mais je m'occupe de tout ça, inquiétez-vous pas. Et on a plein de catégories vraiment nice aujourd'hui. Alors, à chaque fois, on a des bonnes catégories. Puis là, je travaille fort à essayer de trouver des catégories. Là, j'en ai trouvé une. On va commencer avec celle-là. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Ouais, Ouais, OK. bring Bring it on. it Alors, la première catégorie, c'est les villes canadiennes. Alors là, à la maison, vous allez voir clignoter un des mots. Ça va vous donner la réponse. OK? Alors là, les joueuses, eux, il y en a juste une personne qui ne sait pas c'est quoi la réponse. OK? Les autres, il y en a trois qui le savent. Alors là, la réponse est encadrée en noir. Alors, vous allez savoir c'est quoi la maison. Et maintenant, on va commencer avec les joueuses. Essayez de deviner c'est quoi l'indice. Alors, je vais commencer avec. On va aller en reculons. OK? On va commencer avec Léonore. Alors, Léonore, c'est quoi OK. ton indice par rapport à cette réponse-là, pour nous prouver que tu connais la réponse? OK, alors, cette ville a la plus vieille et la plus grosse et le plus gros musée maritime au Canada. Oh, OK, ça sort déjà des stats, tu vois, ça c'est une bonne technique, les stats, j'aime bien ça. OK, on va y aller avec Maya, c'est quoi ton indice, toi? Cette ville est célèbre pour leur nourriture. Oh. Alors, je sais pas si c'est Hawkesbury, parce que moi, je viens d'Hawkesbury, puis
pas grand-chose comme nourriture de spécial à Hawkesbury. Fait que c'est peut-être pas Hawkesbury, je sais pas. Ensuite de ça, Marie, toi, c'est quoi ton indice? Cette ville est la capitale de sa province. Oh, oh, ça, c'est un bon indice. Ça, c'est un bon indice. Alors là, on vient d'annuler Hawkesbury, parce que Hawkesbury, ce n'est pas une capitale, malheureusement. OK. Puis, dernier indice, Jeanne, ça serait quoi ton indice, toi? Ben, il y a des beaux paysages. Des beaux paysages. Apparemment, beaucoup de beaux paysages. OK. Un peu vague, mais ça passe. Ça passe. OK, OK, OK. Est-ce que... Bon, là, on y va avec la partie que j'aime le mieux, là, quand vous essayez de deviner qui est l'espion. À la maison, c'est le temps de nous dire qui vous pensez qui est la plus louche dans nos quatre joueuses. Louche, là. C'est ça qui m'intéresse. On va commencer en ordre aussi de qui a donné son indice. Fait que Léonore, toi, c'est qui tu penses qui est l'espion, là? J'aime ça comme c'est Maya. Mmh. Parce que quand moi, j'ai déjà été à la ville, il n'y avait pas vraiment de la nourriture trop spéciale. Ah. Je pense que c'est juste moi. Mmh. OK. OK. Maya, toi? Si, si, ça, je m'excuse, Maya, je t'aime beaucoup. Quand je joue avec nos amis, c'est comme je veux vraiment pas te faire de la peine, mais je pense que c'est toi. C'est tellement vrai. Ça devient très personnel, mais... vraiment vite. C'est très personnel. Maya, toi, et qui tu penses que c'est? Moi, je pense que c'est Jeanne. Jeanne. Oh! Ah ouais, pourquoi? Ben, je sais pas. C'est comme beaucoup de place pour avoir de beaux paysages, mais comme, il faudrait que tu sois encore vrai, un peu plus spécifique pour qu'elle, ça peut être comme les montagnes comme la mer. Ouais, c'était pas très, c'était très vague. C'est vrai que c'est vague. Puis là, il y a Hugo aussi qui dit que c'est Jeanne. Alors, Hugo, je rajoute ça sur Jeanne. Alors là, Jeanne, elle a deux votes contre elle. Parce qu'il y a même Hugo qui pense que c'est toi, Jeanne. Même Hugo? Oh. That's cold. Même Hugo. Marie, toi, c'est quoi ton... Tu penses c'est qui, toi, l'espion? Je pense que je vais dire Maya, parce qu'il y a des profils très connus pour l'âge. Pour Maya, tu peux dire ça, de comme toutes les villes, il y a toujours comme une nourriture qui est spéciale à cette ville-là. Donc, c'est vrai. C'est vrai que c'est vague. OK, fait que là, Maya, elle a deux votes aussi. On va voir... Là, c'est deux votes pour Maya, deux votes pour Jeanne. On va voir, Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait. Toi, Jeanne, premièrement, est-ce que tu veux te défendre? Parce que là, t'as eu Maya qui vote contre toi. Quelque chose à dire? Moi, je pense... Je sais, c'est un peu comme weird, mais je vais avec Maya aussi, à cause aussi? Que dans la ville, comme... Je vois pas s'il y a du super spécial avec leur nourriture, comme tu peux le trouver à d'autres places. OK, je vais mettre ça sur Maya. Fait que là, Jeanne, t'es chanceuse, t'en es sauvée, parce que toi, t'avais deux votes contre toi. Maya, t'en as trois. Alors là, ouais. Maya, les gens pensent que c'est toi l'espion. Et là, c'est ça que j'aime, c'est qu'on va savoir si c'est toi l'espion. Est-ce que c'était toi? Non. Oh my God. Bon. OK, alors moi, je vais laisser l'espion nous dire si c'est elle. Cette personne-là gagne un point, là, parce qu'elle a réussi à bluffer tout le monde. Alors, c'était qui, l'espion? C'est moi! Honnêtement, j'aurais dû savoir quand elle a essayé de se défendre. Elle était comme, ouais, mais tu vois... Ouais, ça défend. Ça défend, ouais. Jeanne, je sais pas, mais... T'as bien fait. Par contre, Jeanne, est-ce que tu es capable de deviner c'est quoi la ville ou pas du tout? Juste pour le fun. T'as déjà un point. Mais est-ce que t'es capable? Quand j'avais, il y avait la première indice, la première chose qui m'est passée, c'était soit Toronto ou comme Vancouver. Ben, malheureusement, c'est aucun des deux. La réponse était Halifax. Mais tu gardes. T'as essayé, mais t'as quand même un point. Fait que là, Jeanne a eu un point parce qu'elle a réussi à bluffer tout le monde. Fait que, good job, Jeanne. Puis ben, Maya, t'as pris un coup pour Jeanne. Fait que je pense que Jeanne est contente, là, parce que les gens, ils se sont attaqués à toi, à la place d'elle. Parfait. On va aller à la prochaine catégorie. Puis là, c'est le fun, mais c'est tous des artistes dans la vie. C'est ça qui est cool. Alors, la prochaine catégorie, c'est les arts.
On a la danse, la peinture, la musique, on a plein d'affaires. Puis là, à la maison, vous allez voir apparaître la réponse dans cette catégorie-là. Alors, la réponse est en train de clignoter en ce moment. Parfait. Et là, il y a une personne qui ne sait pas du tout c'est quoi, qui va être complètement perdue. J'ai hâte de voir ça va être quoi vos indices. Puis là, on va y aller avec les indices. Je vais y aller maintenant dans l'ordre comme de, tu sais, quand on lit. Alors, ça va aller de Jeanne à Léonore. Alors, Jeanne, c'est quoi ton indice pour nous prouver que cette fois-ci, t'es pas l'espion? Peut-être que t'es l'espion deux fois de suite, on le sait pas. On le sait pas, là. C'est quoi ton indice? Moi, je dis qu'il y a beaucoup de différents styles de cet ordre. Oh! Oh, OK! L'indice est bon, mais l'indice est vague, par contre, parce qu'il y a beaucoup de différents styles de poésie, de musique. De... Mais en même temps, c'est vrai que théâtre, humour, il y a quand même... Je sais pas. C'est quand même bon. C'est quand même bon. C'est un vrai indice qui fonctionne. OK. Marie, c'est quoi ton indice, toi? C'est-tu plus précis? On a utilisé cette mort pour très, très longtemps. Si je me trompe pas, un peu après préhistoire, mais pour comme très longtemps. OK, fait que c'est un or que ça fait longtemps qu'on fait, là. OK. Ouais. C'est bon, ça, c'est un bon indice. Ouais, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Parfait. Maya, c'est quoi ton indice, toi? On apprend cet or, on apprend à faire à l'école, puis plutôt comme en élémentaire. Oh, OK. Alors, tu commences tôt à faire ça à l'école. Fait que je sais pas si la poésie, on fait ça tôt, peut-être. Je sais pas si c'est encore dans le curriculum. Le cinéma, on n'en fait pas tant. Fait que, OK, ça donne quand même des bons indices. C'est bon, c'est bon. Puis toi, Léonore, ce serait quoi ton indice? OK, alors moi, je sais que les Grecs, ils utilisaient ça pour beaucoup rencontrer leur légende. Ils utilisaient ça beaucoup pour rencontrer leur légende de Athènes, puis d'Olympe, puis plein de choses de même. C'est un autre... Tu vois, ça, c'est d'autres recherches, là. Tantôt, elle nous a parlé du musée de les maritimes, quelque chose comme ça. Puis là, elle nous parle des Grecs. J'adore ça. Ça, c'est quelqu'un qui a fait ou sa recherche. Peut-être j'ai juste naturellement beaucoup de connaissances. Tu sais jamais. Peut-être que t'as beaucoup de connaissances, c'est vrai. Peut-être que t'as beaucoup de connaissances. Comme beaucoup, beaucoup de documentaires, là. Comme, peut-être. Si oui, c'est très cool. C'est bon, mais j'aime ça. En plus, ça fait que les gens apprennent des choses. Tu vois, les gens maintenant, ils vont être comme, ah ouais, ils faisaient ça en Grèce, ça. Ça, c'est cool. OK. Pour vrai, les quatre, vos indices étaient bons. C'était vraiment bon, là. On va commencer avec Jeanne. Toi, tu penses que c'est qui? Oh boy. Qui ment, là? Moi, je pense que c'est Léonore. À cause qu'en Grèce, il y avait... Excuse-moi, Léonore, mais c'est vrai. il y avait quand même plusieurs ors qu'ils ont utilisé pour célébrer leur jeu. Donc, je trouve que c'est un peu vague. Ah, oh, ça fait mal! As-tu quelque chose à dire en ta défense? Dans ma défense? Ouais, on va laisser les résultats dire ce qu'il y a dans ma défense. OK, on y va avec les résultats. J'adore ça. OK, fait que là, on a une personne qui vote pour Léonore. Puis là, à la maison, c'est le temps. Fait que Hugo, c'est le temps. Hugo qui nous écoute. Les autres personnes qui nous écoutent, dites-nous qui, selon vous, l'espion. Marie, toi, tu penses que c'est qui? Moi aussi, je vais dire Léonore. Pour les mêmes raisons que Jeanne, vraiment, c'est vague. Puis il y a beaucoup... Je m'excuse, Léonore, je t'aime. Mais il y a beaucoup de comme, des exemples qui peuvent être appliqués dedans, comme le théâtre grec. On est en train de briser les amitiés, là. C'est ça qui se passe. Ouais, je sais. C'est la faute de François. Blonde François. Avant, les animateurs, on jouait à ce jeu-là. Puis moi, puis Philippe Bousset, qu'on est des grands amis depuis toujours, ça partait, là. C'était des attaques personnelles. C'était intense, là. C'était vraiment intense. On est encore amis, mais ça passait proche de briser notre amitié, le jeu-là. Toi, Maya, si tu dirais que c'est qui? Est-ce que tu suis tes deux autres amis? Tu penses que c'est Léonore ou tu as une autre personne? Comme Jeanne a dit, je vais les suivre. Et moi aussi, je pense que c'est Léonore. Je m'excuse, Léo, mais... En tout cas, merci pour le point. C'était très apprécié. Et là, Léonore, ça va faire mal parce que là, il y a deux personnes qui pensent que c'est toi. Il y a Laura et il y a Hugo. Alors, il y a deux personnes qui nous écoutent aussi qui rajoutent des votes contre toi. Ouch! T'as cinq votes contre toi! Je me sens comme si tu te trahis.
À vous, hein? Ah, oh, ça fait mal. Ok, attends, mais là, ça m'intéresse, parce que là, tout le monde pense que c'est toi. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi! Même pas! Vous êtes tellement mal, j'ai jamais vu ça! Ok, ok, c'est-tu Marie? C'est-tu Marie? On sait pas, c'est qui? C'est Maya! C'est moi! Maya! Je pense que je sais c'est quoi la réponse. Oh, en plus! Ok, fait que là, Maya, je tiens à dire, premièrement, que t'as un point parce que t'as réussi à bluffer tout le monde, comme Jeanne tantôt. Vous êtes tellement bonne, j'ai jamais vu des joueuses aussi bonnes de ma vie. Pour vrai, vous pourriez aller faire des compétitions internationales dans ce jeu. Mais Maya, tu penses que c'est quoi, toi, la réponse? Je pense que c'est le théâtre. Non, même pas. Oh. En plus, il y a un son, hein? Il y a juste le sound effect. Non. OK. T'as une deuxième chance de deviner c'est quoi. Tu penses que c'est quoi? T'as une deuxième chance. La danse. Oui! Yes! Bravo, c'est la danse. Good job. Mais, hey, pour vrai, vous êtes vraiment bonne, là. À date, les espions, vous avez réussi à vous faufiler. Fait que soit que vous êtes des bonnes à mentir ou que vous êtes vraiment pas très bonnes à trouver qui ment. Fait que peut-être ça aussi, hein? Je sais pas. On va aller voir la prochaine catégorie, qui est ma catégorie que j'appelle la catégorie santé. La dernière fois, on a parlé des fruits. Cette fois-ci, on parle des légumes parce que c'est important de manger des légumes. Alors, on a plein de légumes. La plupart des légumes sont très, très connus, populaires. Mais les choux de Bruxelles sont pas très connus, mais c'est mes légumes préférés. C'est tellement bon, les choux de Bruxelles. J'ai envie d'en manger là. Mais bon, alors là, il y a plein de légumes, mais aussi à vous, hein. Oh, miam, des bons choux de Bruxelles avec un peu de beurre. Surtout quand tu, quand tu les fais sauter avec des walnuts. Oh, oui, hein. Oh, miam. OK, là, j'ai faim. Là, j'ai hâte d'aller souper. OK, alors à la maison, vous allez voir un des mots qui va clignoter. Alors là, vous le voyez. Moi, j'ai déjà une pomme. Je suis en train de manger une pomme. Vous le savez pas, mais je mangeais une pomme juste avant. Alors, vous voyez à la maison, c'est quoi le mot? C'est quoi la bonne réponse? Et nos joueuses le savent tous, sauf une personne. Alors, on va commencer. Cette fois-ci, on va y aller. On va commencer avec Maya. Alors, Maya, c'est quoi ton indice? Parce que vu que tu as bien réussi la ronde de tantôt, je vais te laisser commencer. C'est quoi ton indice? Est-ce que tu connais la réponse? Oui. Donc, la plupart des enfants, comme 90% des enfants détestent ces légumes à l'enfance. Mm-hmm. Oh, OK. Ça, c'est un bon indice. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les légumes puis qui n'aiment pas tous les légumes. Mais quand même, bon indice. J'aime ça. Ensuite, on va y aller avec Jeanne. C'est quoi ton indice? Ben, ce légume, il est vert. Oh! Ça, c'est un indice qui est précis. Fait que là, il y a plein de choses qui sont éliminées. T'sais, les carottes sont éliminées. Les patates sont éliminées. Sinon, les autres, il y en a plusieurs qui sont verts. Fait que ça marche. J'aime ça. Marie, c'est quoi ton indice, toi? Étonnamment, ce légume, il est une grande source de protéines. Une grande source de protéines? Oh, OK, j'aime ça. C'est bon à savoir en plus, parce que moi, je suis végétarienne. Fait que moi, j'essaie de trouver des légumes qui ont plein de protéines pour remplacer la viande, alors. C'est bon. Je vais m'en rappeler. La prochaine fois, je vais aller à l'épicerie, là. Je vais acheter ça. Je vais penser à ça. OK? Puis, Léonore, c'est quoi ton indice, toi? OK, alors, ce légume fait partie de la famille de choux, puis c'est fait de 89% d'eau. Oh, OK! Un autre statistique! J'adore ça! J'apprends des choses aujourd'hui, là! Wow! Je me sens comme si j'écoute, genre, découverte! J'adore ça! C'est magnifique! OK! Ça, c'est tous des bons indices. Là, honnêtement, une chance que moi, je sais c'est qui ment, parce que je pourrais pas deviner. Genre, les gens à la maison, essayez de deviner, passez nous dire qui vous pensez que c'est, mais c'est tough, parce que vous êtes toutes vraiment bonnes, des bons indices. On va commencer avec masquer c'est qui nous ment, là. Maya, tu penses c'est qui? Je me suis encore Léonore, mais je pense que c'est toi. Regarde Léonore, sa face. Je m'excuse, Léo. Wow! Honnêtement, les gens, ils m'ont dit quand tu mens trop, les gens vont plus te croire. Puis là, comme, maintenant, c'est vrai. J'ai besoin d'un marqueur pour me dessiner les larmes. Yeah, parfait. Oh, mais je suis bien de dire pleure, que tu es en train de dessiner des larmes pour montrer que tu pleures.
Attends, j'ai trouvé un marqueur. Ok, Jeanne, j'ai un petit crayon de cire. Ah, oh, regarde, ça marche, ça marche. Ça fait l'affaire. Jeanne, ouais. C'est quoi ton indice, toi? Ah, oh, moi, je suis prise en... Ton indice, ton... Qui tu penses que c'est? Oh, okay. J'ai prise en deux personnes. Mais je pense que c'est Marie. À cause que... Je sais pas. Wow. Mais quand je regarde aux légumes présentés en avant, il y en a pas vraiment qui sont comme full de protéines. Il y a pas vraiment de légumes qui sont full de protéines. Je sais, moi aussi je pensais ça, mais il y a beaucoup de légumes qui ont actually beaucoup de protéines dedans. Guys, vous avez besoin de protéines. Mange des haricots. Ok, Marie est convaincante. Ok, Marie est convaincante. Fait que là, Jeanne, tu termines en disant que c'est Marie? Ouais. Ouais, ok, j'ai à écrire ça. Un vote sur Marie. Les gens de la maison, dites-nous c'est qui vous pensez. Mais moi, je fais confiance à Marie avec ses affaires de protéines. Je trouve ça bon comme indice. Tout le monde fait confiance à Marie, comme. Oh! Tout le monde fait confiance à Marie. Ok, Marie, toi, tu penses que c'est qui? Ok, je m'excuse, mais moi, je pense que c'est Maya parce que je trouve que les légumes, personne n'aime ça quand ils sont jeunes. Mmh. Moi, j'aime encore pas les légumes. Je me force à manger des légumes. Donc, c'est. Je trouve que tout le monde n'aime pas ça. Ce serait la peine. Toi, tu manges juste les légumes? Marie, est-ce que tu manges juste des légumes qui ont beaucoup de protéines? C'est ça qui se passe? Je ne sais juste pas les légumes en général, donc je mange qu'est-ce que je peux. Ok. Concombre okay. Avec du ranch un peu. C'est ça. Ok, oui, comme ben de la trempette pour tes légumes. Comme ça, tu t'en rends pas compte de manger des légumes. C'est ça. Exactement. C'est ça le truc. À la maison, si vous voulez manger des légumes, c'est ça le truc. Yeah. Parfait. Ouf, Maya, le monde pense que c'est elle. Ok. Puis toi, Léonore, tu penses que c'est qui? Ben, moi, je pense que c'est Marie, parce que je sais qu'un des légumes ici ont une grande source de protéines. Puis, elle pensait que c'était ça, mais c'est une autre affaire. Alors... C'est vrai, et j'y ai pensé moi aussi, hein. Je me suis dit, c'est pas celui qui a le plus de protéines, c'est bizarre comme indice, mais... Ouais. Fait que là, tu penses que c'est Marie? Oui, je m'excuse. Mmh. Là, tout... Ok, Léonore a un vote contre elle. Maya a un vote contre elle, mais Marie, elle a deux votes contre elle. Alors, Marie, les gens pensent que c'est toi l'espion. Mm-hmm. Est-ce que c'est toi l'espion? Guys, je suis pas une menteuse. Il voulait la trouver! C'est elle! Yes! Bon, ben, on a trouvé c'est qui l'espion. Good job! Finalement, vous avez réussi à trouver. Good job! Nice! Mais ton indice était quand même bon, mais je pense. C'est un peu tiré dans le pied parce que c'est les haricots qui ont le plus de protéines. Mais toi, tu penses ouais, que c'est quoi la... Ouais, exactement, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que c'est brocoli. Mm-hmm. Ouais. T'as réussi! Oh, merci! Ben là, ça, oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que même si vous avez trouvé l'espion, vous avez trouvé c'était Marie, elle vient de gagner un point parce qu'elle a réussi à trouver c'était quoi l'indice. Yeah! Okay. Marie, t'as gagné un point finalement. Merci! Ah, bah oui, c'est trop cool ça! T'as même pas perdu, tu vois? Ils t'ont trouvé, mais t'as gagné quand t'as trouvé l'indice. Ça, c'est cool! Wow! Attends, c'est comme une des rondes, un des soirs de jeu les plus magnifiques parce que tout le monde fait des points. Genre, personne ne perd des points. C'est pas mal beau ça. Yeah. OK. La prochaine catégorie, c'est les moyens de transport. Et ça, c'est cool. Et là, il y en a plein, surtout parce que j'essaie de convaincre les gens que vous n'êtes pas obligé de prendre l'auto. Il y a plein d'autres façons de se transporter, oui, oui. Non, de se déplacer pour essayer de peut-être sauver un peu plus. Alors là, il y a plein de moyens. Il y a le vélo qui est vraiment un bon moyen de transport. Ensuite, il y a la voiture, le métro, si vous avez la chance d'avoir un métro, si vous êtes dans une grande ville. L'autobus. Il y a l'avion, mais on sait que l'avion, c'est pas très bon pour la planète. Ensuite de ça, il y a la marche. Ça, c'est la meilleure option, marcher. Et après ça, il y a la trottinette. Mais c'est vrai que marcher, ça prend beaucoup d'efforts, mais ça fait du bien. Après, tu respires de l'air, t'es dehors, ça fait du bien. Fait que marcher, la trottinette et le taxi. Alors ça, c'est tous nos moyens de transport. Alors là, vous allez essayer de... Alors là, à la maison, vous voyez c'est quoi? Et là, il y a trois personnes qui savent c'est quoi. Il y en a une qui sait pas. Alors elle va essayer de deviner un peu et de donner un indice qui est pas trop spécifique. Ça va être assez drôle. Alors là, vous voyez c'est quoi? Alors maintenant, je vais commencer avec
Marie, vu que tu as gagné ta dernière ronde, tu vas commencer. Alors, c'est quoi ton indice? Moi, pour ce véhicule, il y a beaucoup de différentes sortes comme de ce moyen de transport. OK, fait que ce n'est pas la marche parce qu'il n'y a pas plusieurs façons de marcher. C'est ça que tu dis? Il est parfait. C'est bon. Alors, c'est un bon indice, un bon indice. On va aller avec Léonore. C'est quoi ton indice, toi? OK, alors, il y avait un événement historique qui était très important qui est arrivé sur ce moyen de transport. Oh, un événement historique sur ce moyen de transport. Ça a beaucoup aidé avec la progression de notre civilisation. Je suis pas capable de parler. C'est correct. OK. Encore une fois, j'apprends des choses, mais là, je sais pas, y a-tu des événements marquants dans des avions? On sait pas. Dans des vélos? Dans des autos? Je sais pas. On va découvrir. Jeanne, toi, c'est quoi ton indice? D'habitude, il y a plusieurs personnes dans ce moyen de transport. Oh, plusieurs dans le moyen de transport. Fait que la trottinette à deux, je sais pas si ça se fait. Fait que c'est peut-être pas la trottinette. OK. Ça se fait à deux, ça se fait. Je sais pas. OK. Puis toi, Maya? Ouais, hein? Toi, Maya, c'est quoi ton indice? Comme j'en ai dit, il y a beaucoup de personnes sur cet moyen de transport, mais ça l'aide un peu l'environnement. Oh, OK. Très bon. Fait que ça l'aide l'environnement? Un peu. Je suis pas convaincue, mais OK. C'est pas le pire, c'est ça que tu me dis? C'est pas le pire dans toute la gang. Ouais. C'est pas le... OK, ouais. C'est bon. OK, c'est bon. Ton indice fait du sens. Là, vous êtes toutes un peu louches. C'est ça qui se passe. Tantôt, tout le monde avait comme des bons indices, mais là, vous êtes toutes un petit peu louches, je trouve. C'est tout un petit peu bizarre comme indice. Moi, je pensais que mon indice était très bon. Ouais. Moi, c'est entre Jeanne et Maya. Mais vu que Maya a pris... Elle n'a pas pris l'exemple de Jeanne, mais elle s'est inspirée de l'exemple de Jeanne, je pense que je vais dire Maya. Oh, parce que peut-être qu'elle aurait pu, genre, trouver un indice en lien avec ce qu'elle vient d'entendre. Oh! OK. Je sais que cette technique, pour avoir déjà été joueuse, j'ai déjà utilisé cette technique. Alors, je sais que ça existe comme technique. Des fois, je sais absolument pas quoi dire. Je suis comme, OK, je vais prendre l'indice de la personne avant, je vais juste modifier un petit peu, puis ça va passer dans ma zone. C'est comme quand tu copies les devoirs de quelqu'un, c'est comme, ah, fais-le pas évident que je t'ai copié. Non. Exact. Mais tu t'arrêtes à dire que tu copies les devoirs. Parce que là, si tes profs écoutent... Non, je copie pas les devoirs. Je les fais pas. Je copie pas les devoirs. OK. Ah, voilà. C'est encore mieux. Oh, wow. C'est juste... Tu peux pas te faire dire que tu fais du plagiat si tu fais pas tes devoirs. C'est ça le truc. Tu peux pas faire du plagiat si tu le fais pas en premier lieu. Alors, on donne des bonnes valeurs d'école aux gens qui nous écoutent, c'est bon. M'excuse aux gens qui regardent. OK, toi, Léonore, c'est quoi ton... Qui tu penses que c'est, là? Qui est louche? OK, honnêtement... Je suis louche? Non, qui est louche? T'es pas louche. Moi, je pense aussi... que c'est Maya, parce que l'affaire, c'est comme, c'est mieux pour l'environnement que d'autres affaires, mais c'est encore pas bon parce que ça utilise les mêmes choses qui polluent que les autres affaires. Ouais, c'est vrai que son indice était un petit peu louche. Fait qu'un autre vote sur Maya, OK. Toi, Jeanne, tu penses que c'est qui nous ment, là? Moi, je vais continuer avec tout le monde. Je pense aussi que c'est Maya. À cause de ça, m'a vraiment surpris quand elle a pris un peu de ma réponse. Ça m'a vraiment comme... C'était fâché, hein? C'était fâché parce que j'ai compris ton indice. À vous, hein? Tellement fâché contre toi, Maya. J'en ai fâché. Fait qu'un autre personne qui pense que c'est Maya. Oh, Maya, t'as-tu quelque chose à dire en ta défense? Tu veux-tu te défendre? Oui,
Jeanne, ça se peut que j'ai eu la même idée que toi au début. J'ai pris des notes. Donc, peut-être qu'elle avait la même idée de la vie. C'est ça. Puis, OK, donc moi, qu'est-ce que je voulais, qui je voulais accuser? Moi, je pense que c'est Marie. Ouais. Oui. Oh. Parce que, oh my God! Il n'y a pas... Oui, encore Marie. Je m'excuse, mais encore. Oh, you bold! Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais je pense pas pour cette moyen de transport, c'est vraiment comme vrai. J'en ai pas vu beaucoup de différents. À chacun son opinion, tu sais. Oh, true! You're onto something. Oh, OK, OK. Fait que là, il y a un vote contre Marie, puis il y en a trois contre Maya. Fait que la plupart du monde pense que c'est... Maya, est-ce que c'est toi, notre espion? Non! C'est pas moi! Est-ce que c'est Jeanne? Est-ce que c'est Jeanne? Ah, regarde, oui. Regarde son sourire! Regarde son sourire de bonheur! Wow! Jeanne a tellement bien menti, elle a tellement passé sous le radar, personne pensait que c'était elle. J'étais vraiment prise, là. J'avais aucune idée quoi dire. T'étais-tu stressée? J'avoue, moi, quand je sais que c'est moi, je suis tellement stressée, là. T'étais-tu stressée? Oui! Oui! Le stress, t'as pas à cause qu'il y en a que c'est individuel, donc tu sais pas. C'est ça! Mais OK, t'as bien joué, parce que là, personne savait que c'était toi. Fait que t'as un point, parce que personne n'a trouvé que c'était toi, l'espion. Mais là, juste pour le fun... C'est quoi tu penses que c'est le moyen de transport? Je pense que c'est soit l'autobus. OK. Ou le métro. Autobus ou métro? Faut que tu choisir entre les deux. C'est lequel tu penses la bonne réponse? L'autobus. L'autobus? Oh! Et voilà! Good job! C'est bon! Yes! Alors, moi, je faisais une référence de l'affaire avec Rosa Parks pour l'événement historique. Ah, oh, c'est ça la référence! Regarde comment Léonore, elle nous sort des faits historiques tout le temps, j'adore ça! Vous allez revenir puis jouer j'ai quand même là. Seulement eu un 73 en histoire. Quand même, OK. Là, Alex. Je vais dire, là, Léonore, elle vient nous sortir des faits historiques, il faut lui donner une meilleure note. OK, ben là, en ce moment, Jeanne a deux points. Dans tout le jeu, parce que ça fait deux fois que c'est la tricheuse qui a réussi à passer sous le radar. Fait que, juste pour ça, c'est très, très fort. OK, on va aller à la prochaine catégorie, qui est une de mes catégories préférées aussi, parce que on découvre plein de séries. Alors là, s'il y en a là-dedans que vous n'avez jamais écouté, c'est le temps de faire ça. On est en quarantaine, on n'a pas grand-chose à faire. Alors, allez écouter des séries. Il y en a des très bonnes. Mais aussi, allez écouter des séries francophones. Il y en a plein. J'en ai plein de bonnes. Alors, si vous voulez encourager la regarde, m'entends-tu? Oui, j'en ai entendu parler. Oui, sinon, il y en a plein de bonnes. Oh my God, je pourrais faire une liste. C'est tellement cool. Il y a bien des bonnes séries francophones. Mais OK, là, c'est pas mal. Léa Olivier. Léa Olivier, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est tout des séries populaires. Parce que je me suis dit, il faut en trouver que les gens connaissent. Parce que sinon, c'est un peu plus plate. Puis c'est dur de trouver un indice si on connaît pas vraiment c'est quoi les films. Alors, nos films qu'on a, c'est Harry Potter, qui est mon film préféré, ma série de films préférée. On a Star Wars, Riverdale, Lord of the Rings, Avengers, Narnia qui est... Oh, Narnia, c'est tellement bon. Twilight. Oh, j'adore Narnia. Et High School Musical, que ça, c'était la grosse affaire quand j'étais jeune. C'était pas... pour nous aussi. OK, on a un peu... Dans toute la... Là, il y en a... La bonne réponse est en clignotant en ce moment. Fait que les gens à la maison, vous voyez c'est quoi la réponse. Puis juste pour le fun, c'est quoi votre série préférée dans toutes ces options-là? Hey, ça serait quoi, mettons... Harry Potter? C'est qui a dit Harry Potter? Maya? Yes, Maya. Jeanne, t'as-tu dit c'est Narnia ton préféré? Narnia. Oh. C'est tellement bon. À vous le lion. Moi, j'ai la série de Narnia puis de Harry Potter à côté de moi. J'adore. Il y a un de mes acteurs préférés là-dedans, donc je sais. Yes. Oh, yes. That's it. Oh. Je suis trop contente de rencontrer des gens qui sont Harry Potter et Narnia. Moi, là, vous allez devenir mes amis maintenant. OK, puis Marie, ton moi, préféré? Moi, c'est surtout pas Narnia, parce que la reine dedans me faisait tellement peur quand j'étais jeune. Donc, c'est... Je m'excuse. Okay. Moi, je trouvais qu'elle était tellement cool. Moi, j'étais là comme... J'avoue qu'elle faisait peur.
Genre, non, moi, je la regardais avec des googly eyes. J'étais comme, oh my god. Non, moi, je regardais comme, moi, je veux Oui. Donc, High School Musical, c'est comme un classique, comme quand je suis jeune. J'adorais ouais. ça. Troy qui venait de Oh, Zac Efron! J'avais tout, ok, j'avais tous les CD de musique de High School Musical, ok, comme de chaque film. Pour mon père, parce que mon père, on est quatre enfants. Pour mon père, on est quatre enfants, on est trois filles qui trouvent High School Musical, puis en auto, on mettait juste ça, là. Juste High School Musical. Parce qu'il était en panique. Hein? Parce qu'il a fini par aimer ça. You were my fairy tale. Yes, Léonore. Si vous avez jamais entendu la musique de High School Musical, maintenant, c'est fait. Merci, Léonore. Toi, Léonore, c'est quoi ton préféré dans tout ça? Honnêtement, ok. Alors, j'ai une affaire vraiment embarrassante à dire. J'avais une super grosse obsession avec Riverdale quand j'étais en 7e année. Puis, j'ai comme commandé tout le merch. Puis là, il y avait saison 2 qui a commencé. Puis j'ai commencé à comme moins aimer ça parce que comme l'histoire était comme ouh cringe. Puis maintenant, je ris de l'émission. Puis je suis là, comme tu peux juste m'entendre dans ma chambre, je suis comme « Here's to Ronnie and Archie and Betty! » C'est toute une affaire. Fait que maintenant, tu ris du fait que t'as beaucoup de chandail de Riverdale. C'est ça qui se passe? Oh, j'ai tellement honte. J'ai mon River Vixens tee juste à côté de moi dans mon panier de linge sale. Non, mais ma série préférée là-dedans, c'est soit Harry Potter ou High School Musical, parce que... OK. Oui. Ouais. C'est tout ce que je veux dire. C'est deux classiques. Moi, là, les Harry Potter, je les ai toutes Hermione! Lues. Hermione! Oh, oui, oui. OK. Bon, on va y aller avec les... Là, on a assez parlé de nos séries préférées, mais on pourrait parler encore plus longtemps, parce que c'est tellement bon. OK. C'est quoi... J'espère que vous avez des bons indices, là. OK. On va commencer... qui va me donner un indice en premier? Je vais commencer avec Jeanne, vu qu'elle a gagné la ronde tantôt. Jeanne, c'est quoi ton indice? La série n'est pas de ce monde. Ne se passe pas dans ce monde. OK, alors c'est quelque chose de fantaisique. C'est quelque chose qui ne pourrait pas se passer vraiment sur Terre. OK, bon indice. Ouais. Maya, c'est quoi ton indice, toi? Le premier film est sorti en 2008. Oh, OK, on sort des statistiques. J'aime ça. J'aime ça. On a fait de la recherche. Oh là là. En 2008, fait que là, on annule Harry Potter qui est sorti avant 2008. OK. 2001. Ouais, c'est ça. Harry Potter est sorti en 2001. C'est ça. Harry Potter, c'est aussi vieux. Les films sont aussi vieux que moi. C'est quand même cool. Marie, c'est quoi ton indice, toi? Cette série est inspirée par comme des livres qui ont comme été écrits avant, puis là ils se sont transformés en film. Ok. Fait qu'il y a eu des livres sur cette série là avant. Ça c'est un bon indice. Wow. Ok. Puis toi Léonore, c'est quoi ton indice? Ok. Ben moi je sais qu'il y a beaucoup de filles adolescentes qui adoraient l'antagoniste principal qui était joué par un gars avec un super sharp jawline puis des cheveux qui sont vraiment bizarres. Puis l'antagoniste déteste son rôle. Mic drop. Oh! Je pense que t'as une passion. Quoi? Je pense que t'es passionné de cette série. Je suis vraiment passionnée. Oui! Je déteste le lire puis c'est pour ça que je l'adore. T'aimes pas le livre de cette série? Non! Non, ben j'aime pas les films. Honnêtement, c'était du caca sur du papier qui m'a transformé en billion dollars, comme... C'était toute une affaire. Honnêtement... La vie sort! Léonore, déteste les livres. No chill! Au contraire, Léonore, j'ai adoré les livres. Comme j'ai lu... les livres tellement rapidement, j'ai passé à travers comme vraiment j'ai vite. Quand j'ai écouté les films, j'ai vraiment été déçue des films. Oh, ça n'a pas fait la justice, non. C'est ça, c'était vraiment mauvais comme film, j'ai pas aimé ça. Mais faut pas trop dire c'est quoi là, faut faire attention, faut pas que les gens devinent c'est quoi. Parce que là, quelqu'un qui sait pas c'est quoi en ce moment puis qui est bien contente qu'on en parle, parce que là je suis sûre que la personne apprend des notes mentales puis comme ok, je vais se trouver c'est quoi. Puis là, à la maison, essayez de nous dire c'est qui vous pensez qui nous ment, là. C'est qui était plus louche. Qui son indice était pas trop bon, pas trop clair. On va commencer. Jeanne, toi, c'est qui tu penses qui nous ment, là?
Moi, j'ai l'impression que c'est Marie. À cause que, entre les autres, c'était le moins précis. Ouais. Comme ça, ça peut s'appliquer à quand même beaucoup d'entre eux. Oui, on verra. Bon point. On verra. Marie, ça aurait exaucé. On verra. On verra. On verra. C'est ça dans le destin. On va voir. J'aime ça. Maya, t'as trouvé, c'est qui? Je vais être avec Jeanne. Je m'excuse, Marie, encore. Mais je pense que c'est toi aussi. Encore? À cause que, je pense que la plupart de ces séries sont basées sur plein de... Ben, ils ont toutes des livres, presque toutes, qui sont basés dessus. Ah, fait que c'était facile, genre, c'est ça que tu dis. C'était un indice facile. Là, Marie, comment tu prends ça? Parce que Maya est toujours après toi, hein? Maya, il y a quelque chose. Moi, j'aime Maya. Je considère Maya mon amie très proche. C'est toi aussi, Marie. Je sais pas ce qui change, apparemment, des vraies couleurs qui sortent. Il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose de Maya... plus profond qui arrive en vous deux. C'est pas juste ça. C'est à la fin du jeu, ça va être genre finalement on a découvert que Maya déteste Marie puis elle va se venger. Oh Maya, tu adores Maya. Oh, moi aussi. Tout le monde adore Maya. Je vais t'accuser. Parce que je ne vais plus accuser Jeanne. Je ne vais pas avoir raison si j'accuse Jeanne parce qu'elle est bonne. Je sais pas. Je sais pas. Maya, je pense, il y a plein de films dans ça qui sont comme sortis en 2008. Puis, je pense qu'elle est allée plus comme précise, puis elle a pris un fait pour que tout le monde pense, OK, c'est pas Maya. Oh, parce que c'est un fait, mais c'est un peu vague. C'est ça, elle a sorti un fait pour avoir l'air de vraiment connaître ça. C'est ça que tu dis, hein? Oui. Ah, et tu sais quoi? C'est une technique que j'ai aussi fait. Je savais pas c'était quoi, des fois. J'étais comme, telle chose, tel film est sorti en 1962, puis personne sait vraiment en quelle année. Puis là, j'avais l'air vraiment cool, puis vraiment comme intelligente, mais c'était pas vrai en plus. Je te dis, ouais, j'ai dit. Ils ont tous des films qui se sont sortis en comme 2008. C'est comme. C'est ça, ah, c'est tous des films un peu dans les mêmes années. OK. Fait que là, toi, tu penses que c'est Maya. Je vais écrire ça. À la maison, il faut que vous nous aidez à la maison. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Genre, Hugo, tu me dis qui tu penses que c'est qui nous ment. OK, là, il reste Léonard. Ouais, comment Hugo? Bombe. Genre, son Hugo, indice était trop fort. Fait que Léonard, toi, tu penses que c'est qui? Parce que c'est clairement pas toi. Ton indice était trop bon. Là. Ouais. C'est pas toi, hein? Évidemment, c'est pas moi. Hein? C'est comme, duh. Puis là, OK, alors honnêtement, c'est entre Marie puis Maya. Parce que moi, je pense, je suis pas mal sûre que, comme, il y a deux films, il y a deux séries de films qui ont sorti en 2008 ici. Parce que, évidemment, je sais que c'est pas Harry Potter, c'est pas Star Wars. Le premier film de Star Wars a comme sorti en 1970. Puis comme... Ouais. Ouais, alors, tu l'as fait avoir l'air précis, mais ça pourrait être un des deux. OK. Je vois. Mais comme Marie a dit, on va voir. Comme Marie a dit, on va voir. Et là, c'est pourquoi j'aime le fait qu'on est en direct sur Facebook, parce que là, il y a des gens qui votent. Parce qu'en ce moment, il y a une égalité. Il y a deux votes sur Maya, deux votes pour Marie. Fait que là, c'est comme, c'est égal. Fait qu'on aurait été un peu mal prise. Il aurait fallu, genre, annoncer le moral. Ça aurait été vraiment compliqué. Il aurait fallu finir ça, genre, avec une compétition de multiplication ou je sais pas trop. Compétition de multiplication, j'adore ça. Mais on est dans une période de voter. Noah qui nous écoute vient de voter et il vient de détruire cette égalité. Attention. Alors, officiellement, l'accusé est Marie. Alors là, Marie, c'est plus que vous avez voté pour toi. Guys, c'est pas c'est toi? Moi, je suis... Non, moi, je suis honnête, guys. Come on. Really? Oh my God. Excuse à Marie. Quoi? Pardon? Excuse, j'ai pas entendu. Est-ce que, Maya, est-ce que tu t'excuses à Marie parce que oui, je m'excuse. Je pensais que c'était toi. Ah, OK. Fait que là, la personne qui était notre espion a tellement bien joué. Honnêtement, j'avais oublié. Il a fallu que je regarde ma feuille pour voir c'est qui. Parce que j'étais comme impossible que cette personne a tellement bien joué comme ça. Notre espion, c'était Léonard.
Léonore, tu viens de prendre un point parce que j'ai réussi à bluffer tout le monde. Ok, Léonore, comment tu as fait un indice aussi bon? C'est quoi, selon toi, la série? Est-ce que tu as deviné? Genre, tu as réussi à deviner? Ok, parce que moi, je savais qu'il y avait un des deux films qui était sorti en 2008. C'était soit Twilight ou c'était High School Musical. Puis là, j'étais comme, ben, ils disent que c'était, qu'il y avait des créatures fantaisiques dedans. Puis j'étais comme, ben, c'est pas High School Musical. Puis là, j'étais comme, c'est à propos de Twilight. Puis là, je me rappelle, j'étais allée à travers un phase que j'adorais les vampires. J'adorais les vampires plus que rien. Je voulais être vampire. J'étais un vampire pour l'Halloween cette année. Puis, j'étais là comme, je me rappelle, j'ai regardé une entrevue avec Robert Pattinson dedans. Puis, il a dit, je déteste mon personnage. Il a 100 ans, puis c'est un virgin. Alors, comme, évidemment, il est pas marsupide comme personne. Puis, ouais, j'étais là comme, ok. Fait que t'es rappelé de tout ça. Fait que dans le fond, t'as réussi à bien jouer parce que t'as trouvé c'était quoi l'indice, c'est ça? T'as trouvé c'était quoi la réponse, c'est ça? C'est ça le truc. Est-ce qu'on peut voir la face de Jeanne? Elle est juste choquée. Jeanne, c'est une bouche bée! Jeanne, c'est vraiment bon. Elle a raison. Ouais, t'as vraiment fait une bonne job, Léo. Léonore, t'as tellement bien joué, là, Jeanne est en état de choc. Jeanne n'en revient pas. Jeanne a pensé qu'elle était genre, mais finalement, elle se rend compte que, genre, Léonore a vraiment bien joué. Ouais, puis comme je me rappelais, comme Robert Pattinson, il y a une jawline, puis j'étais là comme, c'est ça, hein? C'est vraiment sûr. Comment? Ouais, parce que tout le monde est en train d'accuser Maya puis Marie, j'étais comme, je m'excuse, mais c'est moi, but you guys will never know. continue. Moi, j'étais juste là, comme, moi, je me sentais mal, j'étais comme, Avoue, hein, c'est pas mal quand tout le monde commence à, genre, dire que c'est quelqu'un, tu sais que c'est toi, puis je suis comme désolée, juste là, comme, s'il vous plaît. Just sit back and observe. T'es caché. Hein. J'ai pas besoin de quelques minutes pour t'en remettre. Ouais, Jeanne, tu peux prendre une grande respiration si tu veux. Tu peux t'en remettre que Léonore est vraiment. Okay, il reste une catégorie. Je pense plus que les gens ils peuvent me faire confiance après ça. C'est ça, les gens vont plus jamais te faire confiance. Oh my god. Ok, là, je vais avoir le fun dans mon futur. Ce que j'aime avec cette catégorie-là, c'est qu'il y a deux choses. Vraiment, j'essaie toujours d'avoir une catégorie par rapport à des artistes francophones. Pas cette fois-ci, des chanteurs francophones. Fait que c'est le fun parce que si vous les connaissez pas, vous allez pouvoir découvrir plein d'artistes vraiment bons. C'est tout du monde qui sont bons. J'ai pas mis quelqu'un que j'aimais pas. J'ai juste mis du monde que j'aimais. Tu comprends? Fait que si vous les connaissez pas, c'est le temps de genre sortir un crayon ou un papier puis écrire le nom des artistes pour aller les trouver puis aller écouter leur musique parce que c'est des super bons artistes. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les quatre filles, tantôt, j'aurais demandé est-ce que vous connaissez tous les artistes? Puis la plupart, je pense qu'il y a Léonore qui connaissait toutes, ça se peut-tu? Mais la plupart, vous les connaissez pas toutes. Fait que ça va être drôle parce que si vous connaissez pas, tu sais, la bonne réponse, ça va être vraiment drôle parce que vous allez essayer de trouver l'indice. Ça va être, tu sais, là, c'est un chanteur francophone. C'est ça, ça va être, il parle en français, ça va être ça, genre, ça va être parfait. Wow! OK, fait que là, à la maison, vous allez voir c'est quoi la réponse. La réponse va clignoter. Alors voilà, vous le voyez à la maison. Et là, les joueurs sont vraiment stressés parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, il faut essayer de trouver un indice. OK, on va commencer ça avec Léonore parce qu'elle a gagné sa ronde. Puis en plus, elle connaît tous les artistes. Léonore, c'est qui? Ouais. Dis-moi pas c'est quoi la réponse. Donne-moi un indice. C'est quoi ton indice? OK, alors, ben je sais, la personne, leur première chanson, ben, dont je me rappelle, c'était comme sa pro de comme qui était frustré avec les choses qui arrivaient à chaque jour. Puis ouais, il était juste comme « je déteste la vie ». Ouais, ok. C'est mon indice. Bon indice. Et là, tous ceux qui connaissent pas cet artiste sont comme « ça m'aide pas du tout » parce que faut juste l'espoir. Ben, c'est pas supposé l'aider, c'est juste supposé d'être... C'est ça, c'est pas supposé aider, c'est supposé être vrai. Voilà. Parfait. Marie, toi, tu penses que... pas que tu penses. Voyons, c'est quoi ton indice, toi? Moi, je me fâche pas de moi-même.
Cette personne joue beaucoup d'instruments, si je ne me trompe pas, surtout la guitare puis le piano. Oui. C'est bon, c'est bon. J'ai jamais vu Céline Dion jouer de la guitare ou du piano, je pense. Je pense qu'elle fait juste chanter. Ah. Peux-tu? Céline a fait non, juste chanter. Je suis sûre que Céline joue du drum. Je suis sûre qu'en cachette, elle joue du drum dans son sous-sol. Elle joue de la rock. Elle joue de la drum. Je suis sûre. Ok, mais c'est un bon indice. Marie, c'est un bon indice. Okay. Maya, c'est quoi ton indice, toi? La personne ou le chanteur ou chanteuse, elle ou elle, je veux dire, a fait plus de 20 chansons dans les dernières 4 ans. Ok, alors c'est quelqu'un qui. Ok, c'est quelqu'un qui sort beaucoup de musique. Seul. Ouais. Ok. Fait que c'est pas quelqu'un qui est genre à la retraite. Genre Robert Charlebois, il sort plus tant de musique que ça, tu sais. C'est bon. C'est un bon indice. C'est un bon indice. Jeanne, c'est quoi ton indice, toi? La chanteuse ou chanteur est née au mois de juin. Oh boy! Ça, j'adore ça comme indice parce que c'est super spécifique. Puis personne ne sait vraiment c'est quoi la réponse. Comme, même moi, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Fait qu'on ne sait pas. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais peut-être c'est vrai. OK. On va aller avec vos accusations. Léonore, tu penses que c'est qui, toi? OK. Ben, honnêtement, je pense que c'était. Je pense que c'était Maya. Ah ouais? Parce que. OK. Je m'excuse! Non, mais l'affaire, c'est okay. Parce que je pense, ben, je sais pas s'il y a plus de 20 chansons, mais je sais qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances live. Comme, il a joué comme au moins 150 shows, comme dans une année. Puis, ouais. Comme. Fait qu'on sait. C'est ouais, vague, puis j'étais comme, ben, s'il y a seulement 20 chansons, ben. Ça serait des shows vraiment répétitifs. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais je veux me défendre. Dans les derniers 4 ans, il a relâché plus de 20 chansons. Donc, pas juste plus 20, mais 20. Plus que 20. OK. Là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez même pas pouvoir donner vos explications. Vous allez juste me dire, c'est telle personne. Fait que ça va être encore plus méchant parce que là, genre, les gens vont s'en sortir sans raison. Mais, fait qu'on reste pas beaucoup de temps. Fait qu'on va faire tout ça. Après, on va leur comptabiliser. Fait que, okay. J'ai clarifié, j'aime tout le monde. Alors, Léonore a dit que c'est Maya. Marie, tu penses que c'est qui, toi? Je pense que je vais dire Maya aussi. Je pense que c'est juste trop précis. Maya aussi? OK, Maya aussi. Maya, tu penses que c'est qui, toi? Moi, je pense que c'est Jeanne. Jeanne, OK, je vais m'écrire ça. À la maison, vous pouvez aussi nous dire c'est qui pour essayer de peut-être briser un tiebreaker tantôt. Jeanne, toi, tu penses que c'est qui? Marie. Tu penses que c'est Marie? Ouf! Okay. Straight in the heart! Un vote pour Marie. OK, alors là, il y a un vote pour Marie, un vote pour Jeanne, deux pour Maya. Alors, les gens pensent que c'est Maya. Est-ce que c'est Maya? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi! Quoi? C'est jamais moi! Est tellement... Vous êtes tous des tellement bons espions parce que là, encore une fois, il y a quelqu'un qui s'est faufilé. Personne. Par contre, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Jeanne, t'es quand même bonne parce que t'as spoté c'était qui? C'est Marie, notre espion. Ouais, c'est moi. Oh, papa! Je vais le voir dans le corps! Je vais le voir dans le corps! Les artistes, ils jouent au moins la guitare puis le piano! Come on! OK, bien là, il y a un point pour Marie, parce qu'elle a réussi sa ronde. Puis Marie, tu penses que c'est quoi la bonne réponse? C'est qui notre chanteur ou chanteuse? Je pense que c'est Pierre Lapointe. Non. Oh. Non, malheureusement, c'était Émile Bilodeau, qui est un de mes artistes préférés. Il est tellement bon. Allez le voir. Si vous connaissez pas, allez le voir. Oui. Alors, on va finir comme ça.
Alors, moi, je vous donne un devoir. C'est que si vous ne connaissez pas les artistes que je viens de montrer, allez les voir. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé ça, les filles. Vous étiez tellement bonnes. Honnêtement, oui. Une des meilleures games de l'Espion en pyjama parce que j'ai jamais vu des joueurs aussi fortes. Ça paraît que vous faites du théâtre. J'espère que votre prof de théâtre est fière de vous. Parce que, genre, pour vrai, là, vous avez bien fait ça. Vous étiez pas mal bonnes. Fait que merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison. Vous êtes pas mal cool d'avoir écouté, d'avoir voté, d'avoir fait... l'arrêt pour qu'on trouve c'est qui, puis vous avez mis, genre, vous avez arrêté cette taille-là qu'on avait, cette égalité tantôt. Fait que merci à tout le monde, merci à vous quatre, vous êtes pas mal cool d'avoir décidé de jouer avec nous. Puis on a plein d'autres jeux tous les mercredis. Mercredi prochain, on fait un autre jeu, on va jouer à Monte le son, qui est un jeu vraiment nice. Si vous voulez jouer les filles, vous nous le direz, parce que c'est ça, on cherche toujours des joueurs. Alors, si vous voulez jouer, on met toujours une publication sur l'Instagram du Réveil, sur le Facebook du Réveil, alors vous avez juste besoin de donner votre nom pour jouer, puis pour être des gens cool comme les quatre joueurs qui viennent de jouer. Alors, c'est facile de même jouer à nos jeux au réveil. Moi, j'adore ça, animer des jeux. Puis c'est le fun en plus parce que les quatre, on est tous en quarantaine. Puis là, vous avez pu faire un jeu ensemble, entre amis. Chacune, chez soi. C'est cute. Ça fait longtemps que je les ai parlé aussi. Alors, ça fait du bien. Moi, ça fait du bien. On sent bien. Alors, merci tout le monde. Passez une excellente soirée. Puis on se voit bientôt pour un autre live. Bye bye. Bye. Bye.